semaine, deux semaines et demie. Donc petit à petit, on a fait deux matchs amicaux. Donc ça va de mieux en mieux. On commence à retrouver des bonnes sensations. Et je pense qu'on est prêt. On est prêt, l'équipe est prête pour commencer cette deuxième partie de saison. Je me sens de mieux en mieux. Après, des fois, ça revient un peu. Certaines blessures reviennent, enfin, des gènes. Mais ça va de mieux en mieux. Plus je joue, mieux je me sens en fait. Donc petit à petit, j'essaie de monter en grade pour arriver à se faire en playoff et être à 100% en playoff. Il y a une petite différence quand même de jouer à domicile à l'extérieur. Je pense que domicile, c'est sûr qu'on veut mieux faire parce qu'on a tout le monde qui est avec nous, nos supporters, donc on va leur montrer. Et on essaie un peu de forcer, je pense, un jeu, un autre visage. Alors qu'à l'extérieur, je pense qu'on est beaucoup plus soudé qu'à la maison, donc on a un visage différent. Mais on espère corriger ça en fait. Mais écoute, on a plutôt fait un bon retour de, après la trêve. Là. On a joué deux matchs qui ont été très intéressants pour les remettre en rythme contre Garvanchon et Berck. On a aussi recadré certaines choses parce qu'on va avoir un gros mois de janvier. On va avoir une grosse deuxième partie de saison où on va être vraiment attendu. Et il faut tout de suite se remettre dans le bain face à Longwy. C'est jamais évident de jouer ces équipes-là parce qu'elles sont à la recherche de victoire, mais aussi de confiance. Et rien de tel de jouer les premiers et d'essayer de gagner le match, du moins de l'emporter, pour qu'ils reprennent confiance et ils reprennent la marche de victoire. Donc c'est vrai qu'il faut, de notre côté être vigilant, aborder ce match-là très dans les têtes très important pour la suite, comme je disais auparavant, de notre mois de janvier, où il va être vraiment crucial pour savoir si on peut reprendre encore un peu plus le large par rapport à nos poursuivants ou revenir à égalité avec tout le monde. C'est le travail qui est fait en amont déjà sur la préparation de la semaine où les gars sont vraiment focalisés sur les choses qu'on met en place défensivement pour qu'on limite l'adversaire à être dans leur zone de confort. Après en attaque, c'est ma philosophie à moi d'essayer d'amener du danger un petit peu de partout pour qu'on puisse avoir justement du scoring à tout point de vue, que ce soit sur les intérieurs ou sur les extérieurs. Donc pour l'instant, on est plutôt dans les clous en termes de, à ce niveau-là, en termes de réussite. On est la deuxième meilleure attaque, la meilleure défense. Maintenant, ça peut aller très vite aussi dans un sens comme de l'autre. Et comme je l'ai dit, il faut maintenir ce cap de victoire pour que ces statistiques-là soient réellement révélatrices.